Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour nettoyer la peau d'un visage sur Photoshop facilement grâce à un plugin. On va pouvoir enlever les imperfections, les boutons, les cicatrices ou toute autre chose qui est sur un visage. Pour ça, il va falloir télécharger le plugin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page-là et ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Buy Now qui veut dire acheter maintenant puisque le plugin coûte 10 $ américains, ce qui fait actuellement 9,21 €. Alors, si vous cliquez dessus et vous suivez les étapes, vous allez ensuite vous retrouver avec ce fichier là. Ce fichier, on va pouvoir le dézipper et à l'intérieur il va y avoir notre action. Alors je vais l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Ici il y a un fichier aide avec plein d'informations. Bon, vous inquiétez pas, on va tout voir dans cette vidéo là. Et ici on a un dossier avec l'action. Donc là je vais cliquer sur Photoshop et je double clique sur Smooth Skin Action qui est l'action et automatiquement elle va s'installer sur Photoshop. Alors j'avais déjà ouvert cette photo là qui va être notre photo de démonstration de travail pour tester ce plugin. Alors où se trouve l'action actuellement? Et bien je vais dans fenêtre puis action. Alors là c'était déjà coché, elle était déjà à gauche. À droite je clique sur action, voilà, là on voit bien que c'est coché et c'est ici dans l'onglet action. Et ici je peux voir en agrandissant que j'ai bien le dossier Smooth Skin Action. Très bien, je clique dessus et là ça ne marche pas si je clique sur le bouton play. Pour ça il faut que j'aille dans le dossier juste en dessous, ici dans Smooth Skin Retouche, je peux agrandir pour y voir un peu plus grand. Et ici je vais sélectionner les deux premières, d'abord celle-ci puis ensuite celle-ci. Je clique sur la première, j'appuie sur play. Ici j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui me dit brush with white color on the mask area black to remove skin scars and blemishes. Ici ça veut dire que je dois prendre le brush blanc, ok, et je dois dessiner ici sur la partie noire. Très bien, donc le brush c'est le pinceau, je peux sélectionner outil pinceau, je peux l'agrandir un petit peu par exemple, voilà c'était déjà assez grand. Je peux sélectionner un brush comme ça ou celui-ci, moi je vous conseille avec l'arrondi flou. Ici je vais zoomer dessus, hop, et je vais commencer mon petit nettoyage. Voilà, une fois que j'ai bien nettoyé, je vais passer à la deuxième étape. Ici, Final Skin Retouch Action, je clique sur le bouton Play. Là, je vais avoir une autre fenêtre qui me dit Brush with White Color on the Mask Area Black. Donc, toujours pareil, To add extra smoothness to skin. Ok, donc là, on va voir ce que le résultat, je vais le faire tout de suite. Et voilà, le résultat est terminé. Donc on va faire un petit avant-après. Et c'est quand même assez bluffant ce plugin-là. Et assez simple pour réaliser ce genre de choses. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.